Ok, mes amis, soyez les bienvenus, c'est parti, c'est l'heure de Zelda Breath of the Wild, et ce soir on va faire quelque chose de différent. J'entends plus le son, ça commence fort. Ah, voilà, c'est bon, j'ai remis le son du jeu, pas trop ce que j'avais fait. Ok, donc ce soir on va faire quelque chose de différent parce que on va faire, j'ai appelé ça un slow run en fait, c'est-à-dire essayer de faire le jeu si possible d'une seule traite, en allant directement au château d'Hyrule. Mais comme c'est la première fois que je fais ça, je sais même pas si je vais y arriver. Donc je vais pas appeler ça un speedrun, je vais appeler ça un slow run. Et on verra bien si j'y arrive et on verra bien combien de temps ça prend. Donc, mais ça peut être très rigolo. Alors, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Nouvelle partie. Voulez-vous vraiment écraser les données de jeu existantes? Donc oui, je joue. Je ne perds pas ce que j'ai fait en mode expert dans mes autres streams jusqu'à présent. Nouvelle sauvegarde. The Legend of Zelda. Ah, faut que j'enlève le starting soon. Breath of the Wild. Faut que je mette bien le fond du canapé pour que vous puissiez voir mon t-shirt Zelda. En même temps, j'ai besoin d'accéder à mon ordinateur de temps en temps. Alors, je vais démarrer le timer. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Alors, j'ai une petite feuille où j'ai marqué quelques étapes. L'ordre dans lequel je pense vouloir faire les choses. Je vais prendre mon temps, je vais surtout essayer d'y arriver, quoi. Ça va être le seul objectif. Pas passer. Ah si, on pouvait passer. C'est parti. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Donc l'idée, c'est de rester avec trois cœurs et de rester à poil. Tablette Sheikah, merci bien. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va. Donc je pense que si jamais j'y arrive, ça va prendre plusieurs heures. Je sais pas trop combien. Vraiment, le début est censé être facile.
Allez, sur ce beau paysage, on va commencer. Je me suis un petit peu renseigné sur comment faire. Pas spécialement comment le faire vite, mais... Enfin, si, je sais comment faire vite, mais j'ai aucune maîtrise des techniques des speedrunners. Donc, déjà, le faire tout court. On s'en fiche, la branche d'arbre. Alors, par exemple, je sais que là-haut... Il y a quelque chose de très intéressant. De très très important même. Ah, il y en a deux même. Aïe, merde, ils ont vu les autres, ils sont barrés. Scarabée lame. Donc ça, ça va me servir pour faire un plat qui me donnera des capacités d'attaque supplémentaires pour Ganon. Donc le vieux, je pense qu'on n'a pas besoin de lui parler. Par contre, on va lui piquer sa hache. Voilà. Ok. Ensuite, on va aller vers la tour. Oui, Zelda. Quoi donc? Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ça roule, princesse. Guidée par la tablette. Alors, je vais faire un petit détour par ce coffre. Qui est là. Pantalon ilien. Donc normalement, je ne le mettrai pas, puisque le but c'est de rester à poil. Mais on sait jamais. Si c'est vraiment très 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 dur, que j'y arrive vraiment pas, et que le pantalon ilien peut faire une différence, ce dont je doute quand même, bah, peut-être que je mettrai, mais... On verra quand on en sera aux ombres de Ganon. Alors attendez, je crois qu'ici il y a des flèches à récupérer, non? Donc celui-là je le tue parce que j'ai besoin du bouclier. Et là j'ai besoin aussi de... Ouh. De cette petite épée. Ah, tu veux pas de spoiler? Alors là, j'ai oublié de prendre les flèches ici. Il me semble qu'il y a des flèches par terre. Donc j'essaie de trouver le maximum de flèches en tout genre avant d'aller avant d'aller affronter les Ganon. Les armes, on les trouvera au château. Les flèches, on va les trouver un petit peu partout, mais surtout au château. Et puis, quoi d'autre, on va... En chemin, on s'arrêtera au relais des marécages pour cuisiner un petit peu, vous allez voir. D'abord, là, pour l'instant, il faut que j'active la tour et les sanctuaires du plateau, bien entendu. Quelques secousses sont à prévoir. Et on peut passer ça. Ah, il y a quand même une technique de speedrunner que je vais essayer parce que c'est pas trop dur.
Peut-être même deux ou trois. Ok, maintenant il y a le vieux qui va nous embêter. Ah non, même pas. Sauvegarder, je pense que ça a peut-être déjà sauvegardé automatiquement, mais... Donc alors, après, il faut que j'aille à ce sanctuaire. Alors, ça marche comment déjà? Je fais comme si j'allais jeter ma hache. Je tombe et au dernier moment, je lâche R et j'appuie sur flèche 2, droite. Et je change d'arme. Yes. C'est pour tomber sans se faire mal. This is the run, come on! This is it! I'm going to PB! I'm going to fucking PB! First try! First try, full damage cancel! Non mais vous allez voir, je vais avoir pas mal de game over, hein. En effet, je sais pas si c'est plus rapide de répondre oui ou non dans ces dialogues. De toute façon, vous les voyez pas, il y a ma tête dessus. Vas-y, donne-moi la paravoile, on en finisse. C'est bon, je peux aller au sanctuaire. Allons-y. Le sanctuaire est là. Oui, autre technique, mais c'est celle que je vous ai déjà montrée dans un épisode normal. C'est de courir sans consommer d'endurance, en gardant la flèche du bas enfoncée, comme si on voulait siffler continuellement. Et appuyer sur B de façon répétée. Sanctuaire de Maonu. Alors j'ai même mis un timer comme les speedrunners avec les différentes étapes, mais j'ai pas eu le temps de faire un beau layout de stream pour vous l'afficher, donc. Pour l'instant, il n'y a que moi qui le vois. D'ailleurs, je ne sais pas très bien utiliser ce logiciel parce que je n'arrive pas à voir mon... à comparer avec mes temps précédents. Enfin, j'ai pas vraiment de temps précédent, mais j'ai un début de temps précédent que j'avais fait juste pour tester. Enfin bref, c'est pas le sujet. Polaris. Aujourd'hui, c'est un slow run. Oh merde! Ok, je vous ai prévenu qu'il y avait des game over, je pensais pas que ça serait là quand même. Mais comment j'ai fait? Ok, donc c'est pas grave. On n'est pas pressé, hein. On a toute la nuit pour finir le jeu. Alors ensuite, là aussi, il y a une technique. C'est le saut en longueur. Comment c'est XLA. Ah, je me suis trompé de L, j'ai fait L. C'est Z, L, j'ai fait L. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres des fails. C'est promis. Hey, il a failli m'aider en fait, le gardien. Hop.
Pourquoi j'y arrive pas? X. Ouais, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est pas grave. Au pire, on le tue. Hein. C'est juste ça qu'il faut faire. Je me suis trompé de elle la première fois. Le shield trick. C'est ça le shield trick, c'est ce que j'ai fait. Ça s'appelle le shield trick. C'est assez facile, mais comme j'ai quasiment jamais essayé, je le rate. Alors que j'avoue que je m'étais un petit peu entraîné sur le saut de la tour. Ouais, j'appelle ça le saut en longueur, mais bon. Je regarde si j'ai oublié des trucs. Fais-moi la parabole quand on finisse. Ah oui, donc je joue sans les DLC. Donc comme j'ai téléchargé les DLC, j'ai le coffre. Mais j'ai le coffre X qui est là, mais je ne vais pas le prendre. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, ensuite. Je vais juste par là-bas. Ces deux coffres, ils sont intéressants en fait. Progrès. Il se fait mal au pied. 5 flèches de feu et 5 flèches de glace, ça poutre. Ensuite, je vais me téléporter ici. Et je vais me diriger vers le sanctuaire des bombes. Après j'irai chercher des piments, après j'irai dans la neige. Oh oh oh, j'ai pas envie de te parler. Alors. Attends, ça va pas durer, Phoenix. Juste avant de lâcher, je fais droite. Non, juste après lâcher. Ah ouais, c'est vrai que ça fait pro quand même, hein, tout de suite. Mais c'est vraiment facile, ça. On garde le R enfoncé pour faire comme si on allait jeter la hache. On se jette dans le vide. Et puis, juste avant d'arriver, ou un peu avant de toucher le sol, on lâche R. Et tout de suite après, on appuie sur la flèche de droite pour... du coup, j'en oublie de courir.
pour juste changer d'arme. Mais il faut avoir lâché R avant, faut avoir commencé à de au moins une frame le mouvement de jeter l'arme. Sanctuaire de Jah Bashif. Donc celui-là c'est les bombes, ok. Le doublé. J'irai prendre le doublé aussi. Mais c'est pareil, je le mettrai pas. Sauf en cas d'extrême nécessité. Soif de destruction. Le quoi, le Infinite Stamina Glitch? Oui, mais celui-là, j'ai même déjà fait là. C'est comme ça. C'est pas grave, il va me redonner des cœurs à la fin de Sanctuaire si je meurs pas d'ici là. Oui, tu suis deux lives en même temps, je comprends, ça doit pas être facile. Minutes 44 pour les bombes. Donc alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller... Je vais me téléporter, je crois, au sanctuaire de résurrection. Et je vais aller vers le... Derrière les ruines du temple du temps. Chercher du piment. Sanctuaire de la Renaissance, ça s'appelle. On n'a pas le sanctuaire de la résurrection. Mon épée. Ah oui, c'est là, je crois. Je sais pas si j'ai intérêt à les tuer.
ont peut-être un arc ou je sais pas quoi. Je croyais que j'avais perdu mon épée. C'est pourquoi je croyais que j'avais détruit mon épée. Torche, mais je m'en fiche d'une torche. Couvercle de marmite. J'en avais déjà un, non? Ok. Donc moi j'étais venu surtout pour les piments. Mais on va pas se priver de prendre le reste de la bouffe. Il faut 5 piments. Et il faut que, pas que j'oublie de les cuisiner. Pourquoi j'ai pas d'arc? Je croyais que j'avais... Je croyais que... Normalement j'étais censé prendre un arc au début du jeu. Piment sauté, pic-pic, ça va nous permettre d'aller là. Pas de problème avec les piments. Avec les piments sautés, pic-pic. On est à poil dans la neige, tout va bien. Bien sûr, les vrais speedrunners, ils font ça sans prendre les piments. Enfin, d'ailleurs, ils font pas ça, ils passent pas par là. Ils utilisent des bugs avancés pour voler super loin, super vite. Alors... Et on va essayer de pas se faire écraser avec le morceau de passerelle là, hein. Non, c'est pas ça. Faut aller ici. C'est pareil, si j'étais un vrai, je m'amuserais à faire un saut en longueur là. Passer. Donc là c'est possible de grimper directement mais c'est sûrement méga dur. Peut-être que si je commence par là ça sera moins dur. Cool. Ouais, il y a un bug sur lequel on peut rebondir sur les ennemis quand on arrive dessus au pixel près d'une certaine façon avec l'effet de ralenti en utilisant l'arc pendant qu'on saute. D'ailleurs, ça se peut se faire depuis ici.
Donc vous rebondissez sur un ennemi là, pour aller direct, par exemple, à cette tour là-haut. Mais c'est hyper dur, paraît-il. C'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie d'essayer d'apprendre. Pilier de glace. Skip de toute l'intro. Ouais, le record du monde de Any Percent, il passe. Ils appellent la sortie du sanctuaire de résurrection au départ. Ils passent à travers un mur et ils viennent directement dans ce sanctuaire là où je suis en ce moment. Et ensuite ils utilisent les rebonds sur ennemis là pour aller directement je sais plus où. Ils activent même pas la tour du prélude. Ils arrivent à passer, à entrer dans le sanctuaire quand même. En passant d'une certaine façon à travers les murs. C'est où après? Non, c'est juste là. Le record du monde, c'est justement 29 minutes 59. Donc ça y est, je suis battu. Mec, il a déjà fini, il a déjà battu Ganon à ce moment-là. En ayant démarré la partie en même temps que moi. J'ai fait un premier run d'entraînement, mais qui n'est pas arrivé au bout. Je suis allé en gros, en essayant d'aller vite comme ça, je suis allé jusque quelque part dans la plaine d'Hyrule. J'ai fait le plateau en fait. Donc c'est mon deuxième run du plateau, on peut dire ça. Comment je fais après? Faut que j'aille où? J'aille par là-haut. Ah oui, il faut que je fasse du... Alors attendez, hop hop, merde, non. Hop hop hop. Du surf, voilà. Youhou! C'était pas fameux. Donc là, on va au dernier sanctuaire. J'oublie rien. C'est où? C'est par là. J'ai froid aux pieds pour Link quand même là. Pas vous? Ah merde, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à courir. J'ai perdu mon endurance. Prochaine technique qu'il faut que j'apprenne, c'est les de me lancer avec les arbres. J'ai un petit peu essayé, mais c'est dur. Comme j'y arrive une fois sur 10, ça va pas être rentable pour le moment. D'ailleurs, je peux pas le faire, j'ai pas encore le cinétis. Mais si je maîtrise cette technique, je pourrais changer mon itinéraire pour
faire le sanctuaire du Cinétis un petit peu avant celui-là. Ok, alors, où suis-je? Ah bah ça y est, j'y suis. Là, il y a un marteau, non? Quelque part. Là, il y a un marteau. Il y en aura un deuxième dans le sanctuaire. Ouais, là, le but de ce run, c'est pas de faire des stasis launch. C'est de voir si j'arrive déjà à finir le jeu. Parce que je suis pas convaincu que j'arrive à battre Ganon. Surtout après les quatre ombres, puisqu'il n'y a pas de S à 4. Voilà, on a les 4 modules. Donc ensuite, ben ça y est déjà activé. Ouais, je me souviens de ce deuxième marteau. Donc ça c'est cool. La boule est même pas tombée. On va pouvoir quitter le plateau du prélude maintenant, on va voir la paravoile. Les 7 phases, c'est quoi les 7 phases? Je dois enchaîner les 4 ombres, qui ont chacune 2 phases, je sais pas si c'est de ça que tu parles. Suivi de Ganon. Tu peux compter 3 phases pour Ganon. Je sais pas. En plus, le Ganon, le problème, c'est que je l'ai battu qu'une seule fois dans mon ancienne partie, mais j'étais très bien équipé et j'avais des armures puissantes et tout, donc j'ai trouvé très facile. Mais là, ça va pas être pareil. De quoi? Ah bah non, je stream là. Je serai plus là pendant plusieurs jours. Ok. Ah oui, alors donc faut que j'aille voir le vieux. Il est où le temple du temps? Il est pas là. Qu'il est préférable de sauvegarder. Donc, je me suis trompé. J'ai pas fait dans le bon ordre. Thank you.
Ah, c'est bon là. Et donc là, je vais pas prendre le quatrième cœur, parce que c'est le défi. C'est le principe de ce défi débile. Félicitations, mon garçon. Cette princesse. Ah, merci, mon pote. T'inquiète, dans une heure ou deux, je serai en train de combattre Ganon. Alors, c'était quoi mon plan après? C'est d'aller voir par là-bas. Il y a des flèches explosives. Alors il y a aussi un scarabée sur un des arbres, mais alors lequel? Ah mais si, il est là, merde. Je suis aveugle, je regardais pas au bon endroit de l'arbre, j'étais sur le bon arbre. Cool. Après, elle est où la maison? Elle est là-bas. Ça c'est quoi? C'est des torches couvertes de marmite, on s'en fiche. Et ça c'est le doublet en fait. Donc pareil, on a dit qu'on le mettait pas. Hache pile, on s'en fiche. Hache. Pomme grillée. Champignon du roi. Ok. Ensuite, il y a des flèches explosives quelque part par là. Où est-ce qu'elles sont déjà? Ah, elles sont là. Cool. Téléportation. Donc maintenant on programme la traversée de la plaine. Donc on essaie de trouver un cheval. Et puis de prendre un chemin... sur lequel on aura des trucs, des genre des flèches. Je suis tellement perdu entre toutes les ruines qui sont dans la plaine que je sais pas trop si je vais arriver là où je pense. On va voir.
C'est par là. Normalement, il y a des chevaux dans le coin. Peut-être plus par là. Où est-ce qu'ils sont? C'est juste un moblin. J'ai pas de cheval. Ça va être compliqué sans cheval. Ah, ils sont là. Ils ont déjà vu d'aussi loin. Pourtant, je suis pieds nus, je ne dois pas faire de bruit. Celui-là, c'est un taché, non? C'est un nul. Ah mince, je suis tout près d'un autre. Venez là, les amis. Calmez! C'est facile, en fait. Vas-y, on écrase, merde. Ah mince, c'est vrai qu'on n'est pas encore trop potes. Vas-y, avance. Alors, après, je sais pas du tout c'est par où que je veux aller. En fait, je vais aller au village des mouettes, entre autres. Copain. Oh, il pleut. Mais il y a un arbre.
c'est ce chemin-là que je dois suivre? Ça ne me dit rien du tout. Oh, un gardien quelque part. Oh, il est là. Allez, vas-y, t'arrêtes pas parce que là, on est dans la merde sinon. Tourne, tourne, tourne. T'arrêtes pas sur les arbres surtout. Ah merde. J'ai énervé. C'est pas le moment de faire grève, y'a un gardien, mon pote. Ah, y'a un relais là-bas. Comment on va au relais? Et où est le pont le plus proche? Je vais aller comme ça. J'espère que c'est le bon relais. Merde, je vais me noyer. Ok. Putain, le gardien m'a suivi jusqu'ici. Ah oui, mais là il faut que je grimpe. Non, c'est bon. Ok, tant pis pour le cheval alors. Truffe Mux, cool. Je crois que c'est ce relais là que je voulais. C'est un petit lézard. Radimax. Ouais, c'est le relais des marécages. Et en fait, il y a plein de choses intéressantes dans cette forêt. Des Radimax, des Truffmax, des champis vigueur. Donc c'est pour ça que je viens ici. Échapper à la noyade à une frame près, tu crois? C'est possible? Fleur silencieux, en fait, ça je m'en fiche par contre. Et là, il y a même un coffre. Où est-ce qu'il est le coffre? Est-ce que c'est un coffre qui apparaît que quand on utilise le chien? Parce que je suis à peu près sûr qu'il était là. Chevaux là aussi, je veux. Gros Radimax. Cette forêt, elle poutre. Donc en gros, tous les plats max que je vais, dont je vais disposer pendant les boss. C'est ce que je trouve maintenant. Il y aura encore des trucs au château quand même. Mais ici, il faut que je prenne le temps de bien trouver tous les Radimax. Les champis vigueur aussi, je pense qu'ils vont me servir.
plein. Comment elle s'appelle cette forêt? Normalement, les forêts, elles ont des noms. Mais comme j'ai pas la carte, je sais pas. On va dire que c'est la forêt du relais des marécages. Ah merde. Elle n'a juste pas de nom. Quel dommage. Cette forêt n'a pas de nom. Et donc le coffre qui m'intéresse, alors, il n'existe vraiment pas. Il faut parler au chien. J'ai 11 flèches. En fait, le coffre, c'est une pierre précieuse qu'après je vais vendre à Terry pour lui acheter des flèches. Parce qu'en fait, j'ai pas de sous, j'ai 0 rubis. J'aurais dû en fait prendre un coffre du coup plus rapide à prendre que celui-là. Genre dans certaines ruines des villages dans la plaine. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Voilà, tout ça est évident que ça servira. Ensuite, les champis vigueur, j'en fais que un par un. Le but, c'est juste de restaurer toute la jauge d'endurance quand je vais escalader des falaises et que surtout s'il pleut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être pas besoin d'autant quand même. Ça, je le garde pour quand j'aurai d'autres ingrédients d'attaque. Ça, éventuellement, je peux faire. Un peu dommage que j'en ai pas 5, mais... Ah non, c'est nul! Oh. J'espérais mieux. Non, attendez, les pommes, je vais les garder pour le chien. Je sais même pas si j'en ai assez. Je sais pas s'il mange
S'il veut bien manger autre chose que des pommes aussi. Ok, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Il est en train de se barrer, Terry? Mais... je vais pas pouvoir lui acheter des flèches. J'ai rien qui a vraiment de la valeur, si. Brochettes de champi. Je peux y vendre les brochettes de champi. Ça vaut rien. Je pourrais y vendre mes vêtements. Et du coup, on va acheter des flèches. Comme j'ai 60 rubis, je peux en acheter 10. Ça revient au même, les deux prix reviennent au même. Laisse tomber. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié alors? Il faut vraiment que je trouve la cité des mouettes. Vous croyez que mon cheval est toujours là? Même s'il est toujours là, je sais plus où c'était, alors ouais, c'était beaucoup plus loin. C'est lui? Il m'attend sagement, on dirait. Et puis maintenant, bah, on va se diriger doucement vers le château, mais en essayant de passer par le fameux village que je cherche. Ah, mais en fait, j'ai la carte sous les yeux. Je pourrais regarder sur la carte. J'ai une carte d'Hyrule. Alors, zone de la tour de la plaine, ancienne cité des mouettes, c'est là. Et moi je suis relais des marécages. Où est-ce qu'il est celui-là? En gros c'est plaine ouest.
Allez, c'est parti. Un petit peu plus à l'ouest. Vas-y, te fâche pas, te fâche pas. Oui, pas content. Regardez cette belle nuit étoilée. Là, il y a un inox. Quelqu'un voit un village avec des ruines? C'est là tout à l'heure. On commence à avoir des gardiens. Ah, c'est là, je reconnais. Il semble que c'est dans le coin. J'ai du mal à le contrôler parce qu'il m'aime pas trop encore le cheval. J'espère que c'est ce village là que... Oui, c'est bon. Oh la vache. J'ai pu courir là. Ça va être chaud. J'ai pas eu le temps d'aller me planquer dans les ruines. Ah, il y a l'émission DLC qui s'affiche là. Quand on est premier game over après le plateau. Alors voilà, ancienne cité des mouettes. Ici il y a deux coffres qui m'intéressent. Dix flèches de glace. Et 10 flèches en bois. Ouais. En gros, plus on aura de flèches pour les boss, et mieux ce sera. 31, 5, 15, 5. C'est un bon début. Et on va en trouver plein au château. C'est mon plan. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Éventuellement une arme, mais ça c'est optionnel. Le cheval. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cheval, moi? Je peux pas le siffler, bien sûr. Tant pis, on y va à pied. C'est plus très loin. Celui-là va nous emmerder. Il est pas tout seul en plus. Merde. Je vais mourir!
Non, faut que je retrouve mon cheval quand même, ça sera mieux. Quand il y en a un seul, c'est gérable, mais deux à la fois quand même, c'est abusé. Alors, donc je vais sauvegarder juste après avoir obtenu mes deux paquets de flèches. Le cheval, il peut pas être loin. Ah, il est là. J'étais allé plus loin que ce que je croyais dans le village. Je sais qu'il m'a vu, je sais très bien. Deux maintenant. Oh, il y en a trois, il y en a combien, il y en a partout. Eh, je lui ai fait mal. C'est pas possible. ok, je pensais avoir pris un chemin où j'arriverais à passer loin des gardiens, mais manifestement non. Normalement, je voulais aller dans ce village avant d'aller au relais des marécages, donc ça aurait été plus facile. Je pense qu'après, aller du relais des marécages jusqu'au château, c'est moins dur. Donc là, il y a un gardien, mais le problème, c'est qu'il y en a partout. Il y en a là aussi, donc je suis complètement encerclé déjà. Il a pas sauté. Je pensais que le cheval il allait sauter. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Vous en faites pas. Je vais sauvegarder, avoir un peu plus progressé, ça m'aidera. Donc si je m'approche de celui-là, et pas trop des autres. Ça marche pas non plus comme ça. Je vais tenter de faire un petit détour alors. Alors je sais pas. J'avais sauvegardé juste avant. Pas trop mauvais en esquive de gardien, mais... Ah, ça y est, là, il y en a un autre. Ah, là aussi, merde. C'est pour ça qu'il y en avait trois, alors. Il est mort, le cheval. C'est possible, ça? Le pauvre cheval. J'ai pas pris le chemin le plus facile, hein, les gars. Je vais quand même sauvegarder. Mmh.
Oh non. Ça y est, j'ai réussi. Alors maintenant, on va essayer de se repérer ici. Je vais essayer de tenter un petit truc. Ouais, c'est là. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Prendre un marteau. Plutôt une hache. On s'en fiche. De toute façon, j'en ai plein. Laissez-moi tranquille, j'espère qu'il va pas pleuvoir, c'est tout. S'il pleut pas, ça peut être une bonne façon d'entrer au château. Salut Miko. Ah bah t'arrives au bon moment, là. Je vais arriver au château. Après avoir eu quelques game over répétitifs. Ça y est, 1h15 minutes 26 secondes pour faire mon entrée au château d'Hyrule. Alors la mission, c'est que j'ai commencé une nouvelle sauvegarde ce soir. Je fais quelque chose de complètement différent, j'essaye de finir le jeu en allant directement au château. Donc en gros, j'ai même pas mis mes armures. J'ai trouvé le doublet, des trucs comme ça, mais je les ai pas mis. J'ai que les trois cœurs du début. J'ai fait les sanctuaires du plateau et puis je vais direct au château. Enfin direct, j'ai fait une petite pause dans un relais pour cuisiner un peu. Tiens, des flèches de feu ici. Cool. Alors, ça c'est fait. Est-ce qu'on commence par l'intérieur ou l'extérieur du château? Peu importe, je vais peut-être faire l'extérieur tant qu'il pleut pas. Ok, donc j'ai préparé un petit plan. Vous voyez ce magnifique plan du château sur lequel j'ai entouré les endroits où il y a des coffres intéressants. En particulier des flèches de feu, des flèches de glace, des flèches électriques et des flèches archéoniques. Donc là, je suis tout au sud-est. J'ai dû avoir celui qui est... je sais pas. Ouais, je suis vraiment tout en bas. Ok. Ah oui. Ouais, j'ai compris. Je me souvenais pas de ce coffre parce que je... Ah non, je sais pas pourquoi je me souvenais pas. Bien. Ici aussi, ça va être la fête des gardiens. Donc moi, j'ai celui-là. J'ai trois coffres intéressants dans ce coin. Trois coffres plus de la... plein de bouffe, en fait. Salut toi. Ça
C'est un slow run any pourcent. On peut appeler ça comme ça. La première fois que je le tente, donc je le fais et je vais le faire lentement, mais je vais essayer de le faire et d'arriver au bout du jeu déjà. Là, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant, mais je vais vérifier. Celui-là n'est pas dans ma liste. Voilà. J'ai plus besoin d'argent là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec de l'argent? Ok, donc j'ai eu celui-là, ensuite il y en a un autre. Ah, quand je disais trois coffres intéressants, j'en ai déjà eu un des trois. Donc là j'en ai eu deux. Et le troisième il est un petit peu au-dessus avec la bouffe. Oups. Ah merde, il est chiant. Ok. Je pensais que je l'aurais évité celui-là. Je pensais que j'allais l'éviter. Quand est-ce que j'ai sauvegardé? Tout ce que j'ai à faire à l'extérieur, je peux le faire dès maintenant. Sauf deux petits trucs. Mais je pourrais revenir plus tard pour les deux autres petits trucs. Ça, il n'y a aucun souci. Combien j'ai de flèches? 10 flèches. Merde. Donc je sais plus. Je sais plus si j'ai eu ce coffre. Si j'ai sauvegardé après avoir eu le coffre, je sais pas. Ouais, c'est bon. Donc comment je fais pour pas réussir à aller là-haut? Ah, parce que je croyais qu'il fallait que je redescende. Voilà, c'était facile. Donc, ensuite, ici, on a donc la bouffe. Si je me trompe pas. Si je suis bien renseigné. Plus des flèches. La bouffe, elle est là, alors? Ah, voilà. Durian max, c'est très bien. Fruit de Lotus Tempo. Noix de coco. Ok, il n'y avait rien de plus. D'accord. Mais là-haut, il y a un coffre. Le même genre de coffre dans une tourelle comme ça. C'est pas la même, je vous promets. Très facile de se perdre. Et j'étais sur celle-ci précédemment. Et là on est juste tout près de la cuisine, donc on pourrait rentrer dans le château par la... Pas la salle à manger, je veux dire, on pourrait. Ah, j'ai des trucs un peu plus en contrebas peut-être. Il faut faire ça. Les choses là-haut. C'est un peu plus loin, j'ai quand même passé par près de la cuisine. Ok, donc là je vais pouvoir tuer cet œil. Et là ça va me permettre en fait d'arriver plus facilement là où je suis en ce moment. Si vous regardez le plan, il y a un chemin qui fait tout le tour du château. Et donc, si j'étais arrivé par le début du chemin, par l'ouest, j'aurais pas pu atteindre la position où je suis actuellement. Parce qu'aucun moyen de percer l'œil que je viens de percer justement. Depuis l'autre côté, on n'aurait pas pu. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir circuler plus facilement à l'extérieur.
Alors, c'est cette tour qui m'intéresse. Ouh, j'ai pas vu qu'il me visait. 5 flèches de glace, et c'est pas tout. Et un deuxième coffre. Flèche explosive, c'est parfait. Monsieur, c'est celui que je viens d'avoir juste avant. J'en ai repéré un autre. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah non, il est sur le balcon de l'observatoire. C'est pas vraiment un coffre extérieur, c'est pour plus tard. Et après. Ah, je vais peut-être quand même faire l'intérieur maintenant parce que. Ouais, je vais t'embêter par les linelles. La chance qu'il pleuve pas. J'ai peut-être pas une potion, un plat parce que je suis pas trop sûr de mon coup. Donc là je reviens où j'étais. Je vais retourner à la salle à manger cette fois-ci, je vais entrer à l'intérieur. En gros, là, j'ai eu tous les coffres que je voulais côté, on va dire côté sud-est. Pour ce qui est de l'extérieur. Je voulais pas siffler, là. Faut quand même pas que je les alerte trop, les moblines. Il est en train de bouger? Vous croyez qu'il m'a entendu? Alors ici c'est cool mais j'ai pas encore de grosses armes anti-mobline là. Je vais d'abord peut-être aller chercher l'épée, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, je peux quand même... Et je veux cet arc. Royal. On va commencer à collectionner les armes maintenant. Je prenne toute cette bouffe. Surtout les bananes. Ça va entrer dans la recette de la potion du plat de. Qui augmente l'attaque dont j'aurai besoin. Je vais essayer de faire un plat de niveau 3, d'attaque de niveau 3. Aileron de Mole d'Arcor. Thank you.
Voilà, hallebarde de garde royale. Peut-être qu'avec ça, je peux les poutrer même tout de suite. Si j'arrive à trouver, m'y retrouver dans mes touches. Je crois qu'il m'a vu, non? Donc là, ne pas paniquer, il suffit de sortir parce qu'en fait, ils peuvent pas aller à l'extérieur. Même s'ils nous voient, ils peuvent pas sortir. Il est toujours en train de jouer avec la bombe. Ils arrivent toujours pas à me voir. Ah si, peut-être que si. Merde. Bon là, vous rentrez chez vous. En fait, il arrive à m'entendre même quand je suis dehors. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va prendre la bouffe de l'autre côté. Grosse truffe max, ça c'est parfait ça. Champilam, voilà. Ça aussi c'est un des ingrédients potentiels pour l'augmentation d'attaque. Champivolt, ça va pas beaucoup nous servir. Enduro, blabla, ok. On a toutes les sortes de champi. Normal, voilà. Allez, c'est déjà brisé la hallebarde. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser il faut les surprendre, les ennemis, pour les tuer si possible en un seul coup, mais apparemment la hallebarde n'était pas assez puissante pour ça. Le compartiment des armes est plein. Je sais pas si j'ai envie de cuisiner tout de suite en fait, non. Alors, on va prendre ça. Personne ici. Oh, j'avais encore une bombe. C'est rien.
Épée de garde royale, voilà, ça c'est une épée qui est bien puissante. Et le reste c'est des trucs rouillés. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Je sais pas trop comment le surprendre, lui. Je sais qu'il y a une histoire qu'on peut le surprendre avec une bombe. Il faut que je siffle. Mais il est aveugle, il est sourd. Ah voilà. One shot. Excellent. J'ai besoin d'un ou deux boomerangs comme ça en fait. Ça j'avais pas besoin. Ok, cool. Ici je sais plus ce qu'il y a, je pense qu'il n'y a rien de très utile. Un truc rouillé et un korogu. Ensuite, donc le Moblin, celui-là, normalement, on peut le surprendre sans trop de problèmes pour lui prendre sa magnifique épée. Mais je veux pas grimper à ce poteau. Oups! Sans trop de problèmes, sauf des fois. Faut que je pense j'aurais pu utiliser une flèche de glace comme plan B. Arrêtez de me dire ramasser, je veux surprendre la merde. Attends, ça va me coûter un peu plus de coups, mais... J'ai un petit peu abîmé mon arme, voilà, c'est tout. J'aurais voulu le one-shot aussi. Et donc là, il y a des choses intéressantes, il y a un arc, voilà, arc de garde royale, qui est pas solide, qui dure pas longtemps, mais qui fait 50. Et bouclier de garde royale, qui est très bien. Et, ah oui, et là, il y a plein de choses.
Voilà, excellente salle. Ensuite, on va pas faire un grand trajet dans l'intérieur du château, je pense. Vas-y, prends une vraie arme. Hé, mais je suis en train de revenir sur mes pas. Quel boulet. Moi déjà là. J'ai mal joué parce que j'avais. Normalement, je devrais pouvoir le surprendre. Surprendre. Ça me propose pas de le surprendre. C'est pas grave, on en trouvera d'autres des brise-rocs. Les ânes. C'est une flèche explosive. Voilà. Après, on va essayer juste de l'éviter, mais il a des flèches explosives, pour info. Ah, presque. Non, faudrait que je le tue parce que je vais devoir repasser là. Enfin, je pense. Pas sûr. Des glaces, mais si je la veux, attendez, ça va pas la tête. Ah, ça y est, on arrive à la bibliothèque. Donc là, on a vu déjà celui-là. Pour les flèches électriques, pitié. Peut-être que le brise rock est pas suffisant pour faire un one shot. Ah, putain, je suis trop loin. Encore repéré.
Ok, cool. Donc après, je vais faire un petit tour. Ah non, déjà, je vais... Ouais. Bon, on va s'occuper des bibliothèques. Avant de rester assis, je vais aller à l'autre. Pourquoi je prends pas les boucliers, au fait? Ici, il y a un petit brise-roc. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses, non. Il y a un coffre, mais je crois qu'il y a... Je crois pas que ce soit très intéressant. Non. Ok. Alors, ensuite, j'avais envie de passer par les... comment ça s'appelle ? L'embarcadère. L'embarcadère. Je vais activer le sanctuaire pour faire apparaître un téléporteur. Comme ça, si jamais j'ai des problèmes, je me retrouve dehors et qu'il pleut et que j'ai du mal à revenir au château à l'intérieur, bah, ça sera facile de revenir à l'intérieur. Sanctuaire de Sazu Koza. Voilà, mais je ne le fais pas. Et donc ici, je pense qu'il y a pas mal de trucs cool, genre des flèches. 5 flèches explosives, 5 flèches en bois, une flèche explosive. Ah, il y a encore de la bouffe ici même. Cool. Ouais, donc ouais, j'ai bien fait de pas tout de suite faire à manger. Après, on va essayer de surprendre ces quelques les Alphos. Avec quoi? C'est encore avec ça. Mais faut m'appeler toi. Ah, ça c'est bien aussi une fleur lame. Peut-être que je vais arriver à faire deux. Potion de plat d'attaque. Merde, je confonds la tête et le corps. Le boulet. Je confonds je me suis trompé de côté entre la tête et la queue. Il était déjà du bon côté en fait. Hein. Quel noob. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce coin-là. Ouais, c'est bon. Ouais, il est revenu lui. One shot. Si, ça fonctionne très bien. Et un bon arc. Arc lézard, les ailes en acier. C'est pas mal. Encore 10 flèches, ça c'est excellent. 5 flèches électriques, 10 flèches en bois.
commence à me sentir un petit peu mieux dans la perspective du combat qui m'attend. Des combats. Flèche archéonique, voilà. Ça justifie d'être venu jusque dans l'embarcadère. Ça, c'est quoi les petits poissons? Je suis curieux, je sais pas ce que c'est. Comme type de poisson. Merde, il y a le... Quel con! J'ai oublié qu'il y avait encore un dernier là-bas. Le poisson est mort. C'est important parce que si c'était une Dora de l'âme, ça peut servir. Vous croyez qu'il va finir par m'oublier, lui? Ok, je pense qu'il faut que je grimpe. Ou alors je fais une flèche de glace et puis c'est tout, hop. Ah bah non, il m'a oublié. Ok, cool. Dans ce cas... Non mais c'est pas... Pourquoi il me fait... Je veux choisir une arme et pas un arc. One shot. Trop cool. Bien. Ensuite, Cryonis. Fail. Quel gros fail. C'est encore tombé. 5 flèches électriques. Donc ça, c'est excellent. Ah, j'ai remonté le poisson. Saumon max. Ah, c'est très bien aussi. Il y a une flèche là. Flèche en bois. C'est cool ce que j'ai fait, c'est pas juste pas... C'était pas volontaire, mais c'était cool. Ok, pas mal, pas mal. Je pense qu'on a fini notre quête... Oh, encore plein de choses. Ah non, c'était juste les trucs de monstres. Les chauves-souris, là. Je pense qu'on a fini notre visite de l'embarcadère. On a eu la flèche archéonique. Et plein d'autres flèches, donc c'est bien. Ensuite, on va continuer la visite du château. Il y a quand même encore un ou deux endroits auxquels je voudrais accéder dans le château. Avant de retourner à l'extérieur. Au niveau ingrédients, est-ce que j'ai trouvé toute la bouffe que je voulais ? Non. Ah non, pas du tout. Au contraire. Quelque chose par là? Non, y a rien. Alors, si on fait le compte des flèches... 84, 16, 17, 25, 23 et 1. Ça commence à être vraiment sympa quand même. Et au niveau armes, c'est en bonne voie. Salut Champire, bienvenue PZ, Champire PZ. Ah oui, alors là c'est fermé puisque j'ai game over entre temps. En fait, c'est par là que je suis arrivé.
Donc il reste encore pas mal de Lysalfos dans cette salle. D'accord, il fait que je range mon arc pour que la sélection rapide soit réglée sur les armes à nouveau. Logique. J'ai pas spécialement l'intention de les buter tous. Ils n'ont aucun intérêt ceux-là avec des lances. Celui-là, oh là là, avec les flèches électriques, il est emmerdé. J'aurais voulu qu'il me voit pas. Ah bah ravi que tu puisses revendre ce live, Champire. En plus celui-ci il est un peu spécial, j'ai recommencé une partie où j'essaye d'aller droit au château. Donc je suis à poil comme tu le vois. J'ai que 3 cœurs maximum. Donc là j'essaye de dévaliser le château pour... Il est pas mort lui, c'est vrai. Trouver plein d'armes. Plein d'armes et plein de flèches. Et aussi de quoi faire un bon plat d'attaque. C'est par là. Ça c'est la salle, l'armurerie. Donc c'est la première fois que je tente de faire ça, bien sûr. Je suis loin d'être un spécialiste du combat final, par exemple. Donc on va voir si j'y arrive, et si oui, on va voir en combien de temps. On s'approche du combat. Par là. Je suis revenu à la cuisine, c'est ça ? Ok, donc c'est par là qu'il faut que j'aille. On se dirige vers l'aile ouest du château. Là, il n'y a rien. Là, c'est quoi ça? Je me souviens plus de cette salle. Ok, oui, c'est la salle où on peut pas continuer, il faut faire le tour après par l'extérieur. T'as une bonne arme, toi, non? Son arme. Je trouve pas son arme. Il faut que j'aille prendre le coffre qui est de ce côté-ci. Non, c'est pas là. Je sais plus. Ah non, c'est là, c'est plus loin. Là, on va avoir bientôt des flèches archéoniques, mes amis. Ah oui, il y a aussi l'épée électrique là. Trois flèches archéoniques. Un arc royal. Si c'est pas beau tout ça. Celui-là, poubelle. Et encore d'autres flèches. Fabuleux. Et encore d'autres flèches. Ok. J'ai jeté un dernier coup d'œil avant d'abandonner définitivement, mais
Pourquoi il m'a pas donné d'arme? Ou alors il m'a donné l'arme. C'est un brise-roc, il me l'a donné et moi j'ai cassé celui que j'avais en même temps. C'est pour ça que j'ai pas eu l'impression d'avoir une nouvelle arme, peut-être. Ok, donc ici. Merde, je me trompe de touche, mais c'est pas très grave. On revient dans le château. Par cette petite porte. Je commence à connaître. Ouais, ça devient bon l'équipement là. Et à la rigueur, on pourrait se refaire directement avec cette lance. J'ai pas l'intention de garder une lance comme ça pour le combat de la fin. Au niveau bouclier, oh la vache. Ok, ça faisait peur ce que j'avais comme bouclier. Hein. Alors là, je crois que derrière ce mur fissuré, il y a encore peut-être des flèches archéoniques. Ouais, 3 flèches archéoniques. Donc on en est à 7 flèches archéoniques. Mais on va encore en trouver. Salle d'armes. Ah. Alors là, c'est une salle où il faut être discret. On va pas vouloir réveiller ceux-là. Il y avait quelque chose que j'avais raté, moi, dans ma partie. Dans mes parties. C'est ceci. Et ça, ça va nous permettre de faire le plat d'attaque puissance 3. Ouais, je suis en mode normal là. Et, oh, il y a un coffre d'extension là-haut. Je me souviens pas si je l'ai eu dans. Je suis passé là il y a vraiment pas longtemps, hein. C'est pour ça que je connais le château, mais. Dans ma partie en mode expert. Je crois qu'ils sont réveillés là. Merde. Ça c'est tout pourri. On va se séparer de notre fidèle hache. Ils sont réveillés ou ils sont pas réveillés? Ils s'étaient pas réveillés. J'ai paniqué pour rien. Ok, c'est bon. Mais il y a mieux quand même, il y a mieux dans cette salle. Je vais devoir jeter un autre truc. Qu'est-ce qui est usé là-dedans? Pas grand-chose qui est usé. Ok, j'aurais pas besoin de deux boomerangs. Donc là, c'est une grille que je peux ouvrir si j'ai envie. Où est-ce qu'elle donne accès déjà celle-ci? Au chemin du. Ouais, ça donne accès à rien d'intéressant. Ça donne juste accès au chemin où j'étais déjà avant. Alors, le mobline qui est dans l'autre partie de la salle. Qu'est-ce qu'on va en faire? On peut essayer de le one-shot avec ça. Il va être difficile à surprendre sans réveiller les autres. Putain, il a une super arme, faudrait que je le tue quand même. Yeah.
Mais je veux pas changer d'arc, je voulais changer de flèche. Ah, c'est vrai que maintenant que j'ai des bons arcs, je suis plus obligé de tirer au-dessus des ennemis pour les toucher. Ils arrivent les autres, non? Espadon royal. Ah, t'as fait le défi 3 coeurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le défi 3 coeurs en mode expert, mais avec les tenues et améliorations, et surtout à 100%? Tu finis le jeu avec 100%, mais avec 3 coeurs? Dans ce cas, c'est plus 100%. Tiens, il y a encore un coffre là. Bouclier du dieu bestial. Oh. Ça, je savais pas du tout que j'allais trouver un bouclier comme ça. Et encore plus puissant que le bouclier il y a. Que je n'irai pas chercher d'ailleurs aujourd'hui. Ils ont l'air de s'exciter là-haut. Un champi lame, ça c'est super. Ah ouais, donc toi t'es un vrai pro par contre. Moi je suis un débutant à côté. Tu vois. Y compris les 900 Korogu avec 3 coeurs. T'as de la motivation. J'aime bien les défis débiles, mais celui-là, je pense que je le ferai pas. J'ai bien récupéré. Ouais, j'ai récupéré 2 espadons royaux. Ça, c'est sa poutre. Ok, alors maintenant je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour cuisiner. Est-ce que j'avais envie de cuisiner? Et après on va pouvoir retourner à l'extérieur. Je pense que j'ai pas besoin d'aller par là. Il y a quoi après? Il y a les geôles. Non, j'ai pas envie d'aller dans les geôles, j'ai pas besoin. Ok. Alors je sauvegarde parce que je peux toujours me planter. Ah, le bouclier Ilia, il est à 90. Ah, d'accord. Mais c'est bien que c'était censé être le plus puissant du jeu quand même. Bien, bien, bien. Alors, pour faire la. Le truc d'attaque méga fort, il faut un éclat de croc de Nedrak. Ah, j'ai que une banane. C'est pas grave, je dois avoir des trucs équivalents, ça devrait marcher quand même. 2 champi-lames. Et je vais aussi trouver une fleur lame, non? J'ai juste assez. Ah, ou je pourrais aussi utiliser probablement mes 2 scarabées lames que j'ai trouvé au début du jeu. On va voir si ça marche. Yes! 18 minutes 50, les gars. Attaque niveau 3, 18 minutes 50. Ensuite, on va refaire du max. Ah, c'est tout. On va... Vigueur, j'en ai plein déjà, j'en ai fait plein. Ne serait-ce que je fasse cuire celui-là. Il donne déjà 3 coeurs. Ça aussi,
Pareil, fleur silencieux, on s'en fout. Violet tempo. Champignon, moi, si j'en ai qu'un, ça va pas être très utile. Allez, on peut faire cuire ça ensemble. Bah, ça traîne le mur pour aller éliminer l'inox. Sérieux. Les épreuves de l'épée, moi je les ai toujours pas faites, je sais pas exactement en quoi ça consiste ni à quoi ça sert, donc je découvrirai dans mon let's play. Allez, on met un petit peu de sel. C'est un peu débile, ça donne 5 coeurs alors que j'en ai que 3 maximum. Et les pommes, je vais les garder telles quelles. Donc voilà, pour les boss, j'ai 4 plats max. Ensuite, j'ai des machins qui restaurent l'endurance si jamais il pleut avec les falaises. Et surtout, j'ai ça. Ah non, j'ai plus que... Ah, c'est bien, c'est... j'ai 6 machins max. Parfait. Il me reste 2 machins qui augmentent l'attaque. Peut-être les cuisiner quand même alors. Mais c'est des insectes, normalement on les mélange pas. Ah si, je peux faire avec ça aussi. Non, je voulais pas manger, je voulais prendre. Ouais, pas terrible. Je me contenterai de... Ça devrait suffire quand même au niveau temps, j'espère, 18 minutes 50. Non, c'est pas sûr. Je l'utiliserai peut-être pas dès le premier boss. Je suis où là? Là, c'est les geôles. Là, c'est la salle d'armes. À la rigueur, je peux sortir par là. Si je veux retourner à l'extérieur. Vu que maintenant, il faut que je retourne à l'extérieur. Comment on fait ça déjà? Non, je vais pas chercher le bouclier d'Ilia. Peut-être que je devrais. Ah non, 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 faut que je retourne à l'intérieur. Et j'ai encore des flèches archéoliques à récupérer. Et je dois plus être très loin. Donc attendez, moi je viens de là. Ah oui, je viens de là, c'est ça que j'ai pas reconnu. Et donc là, ça mène pas seulement au geôle, ça mène aussi à une sortie que je vais emprunter. Oups.
91 flèches, ça poutre ça. Je vais utiliser une technique ultra safe pour battre les premières ombres de Ganon. Et puis pour les deux dernières, je maîtrise moins bien. Épée de chevalier. Bon. Et Ganon, je maîtrise encore moins bien parce que je l'ai combattu qu'une seule fois en étant hyper préparé. Et c'était très facile. Donc du coup, j'ai peur. Ok, je voulais que j'aille récupérer le bouclier d'Ilia, je suis pas loin, hein. C'est pas dur à les récupérer en plus. Par là. Et là, il y a quoi? Il y a une sortie encore. Où est-ce que ça mène ces sorties-là? Ah, c'est là qu'il y a des balles, non? Je sais plus. Je sais qu'il y a des trucs là-dedans, mais alors quoi? Ah non. Ouais, j'ai envie de garder mon bouclier là. Mon boomerang. Ah, un autre bouclier de chevalier. Épée de chevalier, c'est pas intéressant. Et ça, c'est quoi? Ça va être une écaille, non? Ouais, éclat de croc d'Ordrak. Mais j'en ai plus besoin. Disons qu'en fait, j'aurais pu faire deux. J'aurais pu utiliser pour ma deuxième potion, mon deuxième plat d'attaque. J'ai pas trop révisé les esquives parfaites et les gardes parfaites, j'ai pas eu le temps. Malheureusement. Pour ça que je crains un petit peu. J'ai eu le temps de préparer un peu mon itinéraire et de noter les coffres qui donnent plein de flèches dans le château. Mais niveau technique de combat et niveau boss, je suis à moitié au point. On va bien voir. Donc il est par là, je crois. Hein. Ah non, ça c'est l'entrée. Ok. Ouais, je vais quand même avoir deux trois ennemis à affronter avant. Là-bas.
C'est toi qui m'intéresse. Il a une épée électrique. C'est dommage, c'était bien parti. C'est dangereux d'avoir que 3 cœurs en fait. Hein. Déjà. Tire-toi, cours. Je veux plus courir parce que j'ai plus d'endurance. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, remets ton œil. Montre-le-moi. Merde. Pas fini. Je peux le soulever même. Cool. Et merci pour le follow, Phoenix. 32, 22, 44. Ça. Dandinox. Épée royale, c'est pas trop mal. Longue épée électrique. Pourquoi j'ai pas la longue épée des flammes? Elle est où déjà? Je suis censé avoir une longue épée des flammes. Hi Adrian. No, it's not master mode, it's normal mode, but with a new save game and 3 hearts and no armor and just running straight to the castle. Donc normalement il y a quelque part une épée des flammes. Mais c'est pas grave. J'ai déjà... Je pense qu'au niveau arme, on est bon là. Il y en a deux qui pourraient être remplacés quand même encore. Donc c'est pas bien grave puisque je venais juste de sauvegarder. Où suis-je? Ah oui. Mais j'ai oublié de prendre le bouclier. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? J'étais venu pour une raison bien précise, vous vous souvenez? Je suis venu juste pour ça. Ah là là.
Là, le bouclier d'Ilia, effectivement, 90. Il reste à apprendre à utiliser un bouclier correctement. Mais non, c'est pas mal, il pourra me servir à repousser les lasers des boss. Je pense pas qu'il y ait d'autres armes très intéressantes dans les geôles. Alors, lui. Mais normalement, je peux m'envoler directement, non? Il m'a vu. Tu me laisserais passer comme ça, tranquillos? J'ai pas appuyé sur le bouton pour faire un courant ascendant? Il me jette des pierres. Pas trop ouverte ce truc là quand même. Ok. Manger des pommes. Oui, c'est reset le truc. Donc je suis obligé de le remettre en route. Ça marche pas avec l'épée là? Bah si. Ok, je suis de retour ici, c'est parfait. Est-ce qu'il pleut? Pas l'impression. Alors maintenant, j'ai quand même encore plein de trucs à faire à l'extérieur. Là, c'est peut-être pas un bon endroit pour sortir, ça. Je suis un peu bas. Je vais sortir par juste l'autre sortie qui est pas loin. Promis, c'est pas loin. Oui, c'est là. Combien j'ai de flèches archéoniques? 10. Doucement, 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 oui. Donc maintenant que je sors de ce côté-ci, faut que je revienne un petit peu plus en arrière pour les certains trésors qui m'intéressent. Donc c'est par là. Eh ben non, c'est de l'autre côté que je voulais aller. Non, c'est vraiment de l'autre côté, là, y'a rien. Enfin, y'a rien, je sais pas. Non, y'a rien. Ah, il m'a touché. Alors voilà. Ouh, maintenant il pleut. J'ai même pas vu d'ailleurs. Ouf, je suis obligé d'enlever mes armes. Je
obligé d'être complètement à poil. Bon, ça va être bien. Surtout que c'est là qu'il faut que j'aille. Au revoir. C'était le Linel, mesdames et messieurs. Le Linel des 3e quartier. 3e quartier ? Je sais dans lequel, là. Il y en a deux des Linel. Ok, je suis bien là où je voulais. Donc, il y a plein de coffres là-dedans. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Peut-être un deuxième. Il faut que j'enlève mon arc. Allez, sans blague. Aïe, aïe, aïe. Il me voit pas. On va pas y arriver comme ça. Hein. Ah, mais il y a ça là-haut. Je savais même pas. Ok, on peut s'occuper de vous. Ces trucs-là. C'est vraiment un temps de merde, hein. C'est une catastrophe. Non, pas jeter. Ça va pas la tête. Non, 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 non. Juste le retirer. On a une chance d'escalader la tour du Linel. Par temps de pluie, voire d'orage. Par ici, ça a l'air moins dur déjà. Ok, c'est mieux. Alors, il doit y avoir un... Je sais pas si c'est celui-là. Si, c'est celui-là. Yes. 5 flèches explosives, parfait. Ensuite, j'ai encore noté d'autres coffres, mais ils sont super loin, je vais pas aller prendre ceux-là. Je vais aller vers l'autre Linel, ça sera plus utile. Encore récupérer quelques flèches, puis après on ira voir les... On ira voir nos amis, les ombres de Ganon. Je sauvegarde en l'air. On se revient à Paris, de quoi? Pour les orages? Tiens, il y a un œil là. Je sais pas très bien où je suis. Je suis au milieu des... Si, je sais où je suis. Je suis à la sortie, j'étais tout à l'heure. Je voudrais bien quand même... Je suis emmerdé avec ces menus, moi. Je voudrais juste avoir le temps de tirer une flèche. Ok. Donc, en fait, je suis où? Ah, d'accord, je suis là. Faut que je remonte sur le chemin un petit peu. Ça marche.
Mais si, normalement, il n'y a rien d'intéressant. Vous liriez. Je vous avais dit, hein. C'est pas intéressant. Hein. Là, ça va être compliqué par contre. Ouais. C'est pas du tout le chemin que je suis censé prendre. Merci Phoenix, ça peut être encore long. Hein. On passe le cachet, il pleut plus. C'est fabuleux. Pas eu le temps de courir. Merci Phoenix, bonne soirée. Non, je devrais pas du tout passer par là, mais je suis tombé plus bas que prévu. Un moment. Bon, ça va être facile quand même. Voilà, de retour au troisième quartier. Donc c'est le Linel que j'ai déjà eu. Et maintenant il pleut plus, donc on va pouvoir poursuivre. Ici c'est beaucoup plus tranquille. On est près de l'entrée. Et on va aller direct au deuxième Linel. Et après le deuxième Linel, je sais plus. Qu'est-ce que tu appelles l'infiltration? En fait, je peux reprendre mes armes, ça y est là. Et les flèches archéoniques. Ouais, la technique de sauvegarde, c'est top, c'est limite un peu cheaté, quoi. Ah, mais pas eux. Vous m'intéressez pas, vous. Tirez-vous. Y'a un œil là-haut? Je vois pas l'œil. Peu importe. Donc, alors, est-ce que moi j'ai marqué de coffre ici? Un seul? Il n'y a peut-être pas de coffre au-dessus, alors on va aller voir quand même. Ah, si. Encore des flèches explosives, j'ai 43 flèches explosives. Bien, bien, bien. Et alors, maintenant que je suis là, j'ai envie. Je pense que j'ai à peu près tous les coffres que je voulais. Peut-être encore. Cette tourelle.
Ça, ce sera utile. Oh, elle est tombée. Merde, non, je suis pas au bon endroit. Ok. Ah bah non, je crois que j'étais passé. C'est pas juste ça. Ah. Je croyais que j'étais tranquille. Magnifique chute, tu m'étonnes. Où est-ce que j'ai sauvegardé? Donc j'ai sauvegardé après. C'est bon, je venais juste de sauvegarder. Alors mes notes me disent qu'il y a une tourelle dans ce coin, mais je la vois pas. Une autre. Et peut-être plus basse alors. Là, il y en a une. C'est quoi cet arc tout pourri? Waouh. Je suis trop loin alors. J'ai gâché plein de flèches. Ah mais c'est vrai, j'étais juste à côté d'un gardien déjà. Je fatigue là. Je fais n'importe quoi. Ah mais si, c'est des flèches archéoniques les deux autres coffres. Il faut vraiment que je les trouve. Donc alors, par rapport au Linel, c'est à peu près dans l'alignement comme ça, et un peu plus à gauche. C'est dans ces remparts-là. C'est en dessous, ça m'étonnerait. En dessous, c'est le chemin. Oh. Où est-ce qu'il peut y avoir un coffre dans ce coin-là? J'ai déjà eu? Mais non, je suis pas allé là du tout. Non, non, je n'ai pas eu celui-là. Je veux les flèches archéoniques. Où suis-je?
Mais c'est encore pire d'être ici. Je me suicide. Pourquoi je grimpe pas? Pourquoi il grimpe pas? Qu'est-ce que tu fous, Link? Oh la vache, j'ai rien compris là. Je comprends plus rien. Ah non, il pleut maintenant. Bon, je vois très bien où je suis sur le plan. Donc... c'est peut-être en haut alors, des remparts. Mais c'est qui me voit là? Bon, par contre, il pleuvait plus. Ok. Donc, selon mes informations, il y a des flèches archéoniques. Sur ce mur. Dans ces remparts là. Bon non, on va pas commencer. Oula. La pluie s'était soudainement arrêtée. Et... je suis relativement tranquille, je crois. Sauf qu'il y a l'autre qui vole au-dessus de moi. Là, c'est pas la pluie qui me gêne, c'est cette espèce de... ah. Ça y est, il pleut plus. Je vais faire un bisou à ce gardien, oui. C'est lui que j'aime bien, lui. Je vois pas de flèche archéonique dans ce coin. Laissez-moi regarder dans mon encyclopédie. Ah, sous l'eau, au-dessus de la cascade. En plus, ça se trouve, c'est qu'une seule, alors bon. Sous l'eau. On va laisser tomber ce coffre, on s'en fiche. Et j'avais sauvegardé quand il pleuvait plus. Ah, c'est vrai que lui, j'avais pas réussi à le tuer. Ici aussi, c'est chaud. Il me semble qu'on peut prendre un raccourci comme ça.
Ce que vous en dites de ce petit raccourci? Cryonis, oui c'est vrai. C'est juste. Par contre, il y a d'autres flèches archéoniques qu'il faut vraiment pas que je rate parce que il y en a 5 et non pas juste une. Donc là, c'est, ça plaisante pas. Je suis tombé. Donc je vais faire un dernier petit détour. Oh non. J'en ai marre des gardiens, bordel. Non. On ne pourra pas. Donc les flèches, c'est pas compliqué, il faut monter. Pour les 5 flèches archéoniques. Est-ce que j'ai d'autres trucs encore? Je pense pas. Éventuellement, je peux aller dans les quartiers de Zelda. Qui veut un Korogu? On aperçoit une échelle là-haut. C'est là qu'il faut qu'on aille. Je m'étais pas préparé pour rien. Il est fort hein, quand même, Link. Il est très très fort en escalade. Voilà, c'est bon. Cinq flèches archéoniques. Donc ça nous en fait 16. Flèches archéoniques, on peut dire que ça poutre. Et donc les appartements de Zelda, ils sont là. Est-ce qu'il y a des choses à l'extérieur? Pas noté de flèches ou de trucs comme ça dans ce coin, mais il y a des armes. Ouh, c'est quoi ça? Je suis arrivé dans le mauvais sens.
Je suis pas du tout au bon endroit. C'est pas ça les appartements de Zelda. On retrouve notre petit Korobu. En fait, il y a des tours qui ressemblent. C'est beaucoup plus bas. Je pense que c'est là-bas. Cette tour là. Ouais. Mais je sais pas où j'étais avant alors. Parce que je suis quand même rentré à l'intérieur du château à un moment. Ah, salut! Étude de Zelda. Je pense pas qu'il y ait... Ici, il n'y a rien en fait, mais... Juste à côté, il y a un moblin et il y a... Il y a des armes. Ah ouais, il a une bonne épée, lui. J'ai que 10 flèches de glace. J'en ai dépensé beaucoup, c'est pour ça. Épée électrique, ouais. Parfait ça. Longue épée de vertu. Waouh. 50. Et là, il y a un bon arc aussi. Ben oui, voilà. Tant que je trouve la bonne touche. Donc, on va jeter celui-là qui doit logiquement être un petit peu usé. Donc, j'ai deux arcs de garde royaux. Bien équipé là quand même. Allez les amis, je pense que c'est l'heure. C'est l'heure d'aller d'aller voir le notre ami Ganon. Depuis ici c'est peut-être un peu chiant. Alors, je suis où là? Je suis sur un chemin? Pas vraiment. Je suis au-dessus. Ok, depuis là, je sais comment y aller. Normalement. Passer dans la salle du deuxième Linel. Second quartier. Je pense qu'on peut passer par là après.
Alors attendez, par où j'étais passé tout à l'heure? J'avais un petit peu triché. Je sais pas loin là. Tout juste. Tout à l'heure. Beaucoup plus facile par ici. Je commence à stresser. Voilà, nous y sommes. Bon, ça sauvegarde déjà automatiquement. Alors, c'est parti. Trois heures, 2 minutes, 28 secondes pour arriver jusqu'ici. Alors, donc, je vais aller tout en haut pour les deux premiers. C'est pas la peine d'essayer de sauvegarder. Mettons qu'on va commencer avec ça, et avec ça, et avec des flèches standard. Et le premier, normalement le premier il peut pas, je crois qu'il peut... Je vais pas m'engager trop tôt. Je vais prendre... On va manger ça. À prendre ma potion d'attaque plus. Parce que j'ai aucune idée de la durée du total des combats. À la rigueur, je peux toujours prendre celle-là qui est un peu pourrie. Pas peine de tirer une troisième flèche parce qu'à chaque fois que j'en tire, je le touche deux fois, après il se barre. Ah, je perds des flèches. C'est pas très rapide ma stratégie, mais c'est safe. Ça y est, première phase.
ça se présente bien pour l'instant. Pas de soucis sur celui-là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tire à la tête. Allez, on y est presque. Mon arc s'est brisé. Passons à un arc royal pour le dernier coup. Bon, ça va, celui-là je maîtrise. J'ai dépensé pas mal de flèches. Mais bon. Ah oui, alors lui, il m'envoie son espèce de lance là qui fait ultra mal. Il faut absolument que je l'évite. Ouais, le coup, je l'ai eu à la tête là. Hop là, qu'est-ce que je fais? Vite, faut que je recule. Ah, ça passe pas à travers ce truc. Ça passe pas à travers du drapeau là. Ah, il y a un mur! Oh putain! Oh, il y a un mur là! Vas-y, bouge! Ok, je vais l'avoir comme ça. Recule! C'est bon, il bouge enfin. Je sais, c'est vachement long. C'est un slow run. Mais là, pour une première fois, c'est la sécurité avant tout. Ouais, je pensais que j'aurais fini la première phase. C'est bon. Deuxième phase. Donc là, ça va être pareil, sauf qu'il va m'envoyer ces cubes de glace, mais normalement, quand je suis en haut sur le balcon, je devrais être... Je pense qu'il devrait pas pouvoir m'atteindre. Sauf des fois, ça dépend où il se place, oui, c'est vrai. Dans ce cas, peut-être que j'aurais changé de type de flèche. Je vais leur essayer peut-être les flèches de feu. Ou les flèches explosives, même. Il est où? Ah, il est tombé. Finalement, j'utilise que les flèches pour le moment. Je vais pas commencer à consommer mes armes. C'est la méthode safe là. Par contre après... Oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça?
croyais qu'il était tombé, j'avais pas vu qu'il était en train de d'armer sa lance. Et de deux. Bah, ça s'est bien passé quand même les deux premiers. Mais j'ai pris qu'un seul dégât tout à la fin. Mais après, les autres, je les connais pas beaucoup. J'ai pas révisé les autres. Bon, on va garder cette arme là. Donc les liens. Faut que je fasse une garde parfaite. Bah ouais, c'est raté. Ah merde! Ah, je croyais qu'il m'avait laissé un quart de cœur ou quelque chose comme ça. C'est dommage, ça était parti, c'était commencé si bien. Il fallait que je fasse une esquive, là, on est d'accord, il fallait que je fasse une esquive parfaite. Allez, on va essayer de faire autre chose. On va essayer comme ça. Se reprendre comme arc. On va prendre l'arc comme ça et les flèches standard. On va essayer de le faire tomber et après. Comme ça, faut pas trop s'inquiéter de ces trucs là. J'arrive à tirer dans la tête, mais c'est dur. Parce qu'il se téléporte super vite après. En fait, faut que je tire dans la tête après qu'il ait lancé sa tornade, peut-être. Je suis en retard. Faut que je tire à travers la tornade. Bouge. Je suis pas mort. Ah, punaise. J'arrive pas à l'assommer. C'est ça le problème. Ah, j'ai touché 3 fois. Allez. Et donc là, la deuxième phase, c'est pareil, sauf que il prépare ses petites attaques là, mais tant que je touche régulièrement, elles font rien. Il y a 2 tornades maintenant. Il se téléporte plus. Merde. C'est tellement dangereux, bordel. Il se téléporte plus. Il faut que je me tire là. Oh là là, non. C'est une catastrophe. Pourquoi je regarde plus? Ah non, c'est bon, il est en train de se téléporter.
Il était sympa là, j'avais plus d'endurance. Aïe. Du coup là... J'ai consommé vachement plus de vie que l'essai précédent quoi. Ok, lui par contre, lui je viens quand même monter. Mais ça va quand même plus vite de le faire depuis le haut. Que j'aurais pu lui sauter dessus quand même, être un peu plus courageux là, non? On va essayer ça le prochain coup. Ah, je suis beaucoup moins prudent que mon premier essai. Ok. Il est déjà en train de se relever. Ah. Bientôt la phase 2. Voilà. Oh, je sais même pas viser. Oh, il est un peu trop près, j'aime pas trop beaucoup ça. Allez. Ouais, non, il se relève assez vite quand même. Merde, il tire ces saloperies là. C'est bon, ils ne peuvent pas nous toucher quand il est là. Je fais super gaffe à quand il lance. Quand il jette sa lance. Ça va péter. Non, la lance. Ok, c'est bon. Allez, encore un coup peut-être.
Alors donc pour lui, on va essayer de pas se faire one shot. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Là, il faut que je m'éloigne, mais je suis tellement loin. Ok. On peut peut-être pour celui-là prendre ça. Oh la vache, il est chaud là. Le temps de tirer ces boules de feu. Yes! Deuxième phase. Ok. C'est là qu'il nous aspire, non? C'est là qu'il aspire, voilà. Bam! Explosion. Je vais faire une attaque tournoyante. Ah, c'était bien. Plus de flèche. Plus de flèche standard. Ah, j'ai pas vu, j'ai cru qu'il était en train de tomber. J'ai pas vu partir les boules de feu. J'ai plus de flèches. J'ai pas pensé à prendre les flèches électriques pour celui de l'eau. Yes! J'ai réussi à en avoir 3, c'est déjà plus que ce que je pensais. Hein. Alors lui. Je sais pas ce que je vais prendre. Ah oui, merde, il a ses buts. Ah putain. C'est vrai, déjà il tire ça, je me souvenais plus. Mais après, il faut que je fasse des esquives quasiment impossibles. Qu'est-ce qu'il fout? Il a perdu son bouclier. Ah merde. J'ai plus rien comme récupération de cœur pour... Si jamais je survis à lui, j'aurais plus rien pour Ganon. Ah j'arrive pas. Je vais vraiment pas partir quand il fait ces trucs là. Et voilà. Là, il va falloir que je vais m'arrêter pour ce soir, il va falloir que je travaille un petit peu, que je me renseigne sur comment gérer celui-là. Ouais. Les 3 premiers, ça va, j'y arrive mieux. Garde parfaite. Ah oui, c'est le truc avec le bouclier. Garde parfaite ou esquive parfaite, ok. Mais je le vois même pas partir, moi. J'ai pas de réflexe. Garde parfaite, esquive parfaite. Hmm.
coup, je m'entraînerai. Fais trois zigzags. Ouais, c'est une question de timing. J'ai déjà regardé un peu des vidéos, mais c'est vrai que... En fait, dans la vidéo que j'ai regardée, il fait... Il fait du frame par frame. Enfin, il utilise les touches de changement d'arme pour ralentir le temps, enfin pour ralentir les frames. Et donc je sais pas si je peux faire ça. Il fait ça quoi. Pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut sauter ou utiliser le bouclier. Ouais, mais le problème c'est que du coup pour avoir le timing, à chaque fois que je veux m'entraîner, il faut que je retue les trois premiers. Donc c'est chaud. Non, je vais pas refaire, je vais arrêter, j'ai dit. Je vais arrêter pour ce soir. Je manque de connaissances et d'entraînement sur le troisième. Puis sur Ganon, ça se trouve, ça sera encore pire. Ok, on va pause. Donc on finira cette sauvegarde, mais oui, pas en un seul coup. Merci à tous les amis. Ouais, je regarderai encore des vidéos. Yep. Merci à tous pour les conseils et puis on finira cette sauvegarde. On réussira à battre Ganon à poil avec nos trois cœurs de base. J'en suis convaincu. Merci les amis, à bientôt, c'était Christopho, et c'est tout pour le moment.